Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va vraiment super. Aujourd'hui, on se retrouve sur simulateur de YouTuber qui s'appelle Tube Tycoon. C'est un nouveau jeu qui a été vraiment été plébiscité par la communauté, qui a été joué notamment par Cyprien, Squeezie, Amixem, tous les YouTubers, on va dire, qui sont un peu connus dans le game en France. Donc, je me suis dit pourquoi pas une vidéo dessus déjà dès la première vidéo de Amixem. Du coup, c'est ce que je vais vous proposer. Du coup, on va tout de suite incarner un personnage et je vais voir un peu comment ça se passe. On se retrouve tout de suite en jeu. Voilà, donc on arrive tout de suite avec ce petit personnage qui nous dit heureux de te voir, bienvenue dans le monde de YouTube. Mon nom est Bionicle, les gens m'appellent le professeur YouTube. Je vais te guider dans ce monde merveilleux habité par des créatures appelées YouTubeurs. Pour certaines personnes, YouTube c'est du fun. Pour d'autres, c'est un moyen de plagier et de faire de l'argent. Bon, là, il n'y a personne qui est visé. Internet, c'est un bon moyen de gagner de l'argent quand on a du talent. C'est ça. Bien sûr. Pour ma part, YouTube est ma profession. Un monde de rêve et d'aventure t'attend, allons-y. Bon, ce petit personnage qui ressemble un peu au professeur Sorbier là de Pokémon, je pense que vous l'aurez reconnu. Du coup, il nous emmène tout de suite dans le monde de YouTube. Voilà, donc on va tout de suite se connecter. On va choisir un pseudo. Bon, on va choisir. Voilà, on va choisir. Donc pour ceux qui auraient vu, j'ai le jeu en français, même s'il n'est pas encore disponible en français. Moi bon, j'ai préféré le mettre en français parce que même pour vous ça va être plus simple, je pourrais pas tout traduire. Du coup c'est, je vous mettrai le nom, j'ai téléchargé un petit patch qui mettait le jeu en français. Et c'est vraiment sympa du coup parce que ça a permis aussi de mettre tous les noms des youtubeurs en français. Voilà, donc j'ai rajouté aussi 2-3 potes, 2-3 potes YouTube dans les noms. Donc voilà, donc ça va être sympa pour les commentaires, même les commentaires seront en français et ça va être beaucoup plus sympa pour nous, je pense. Donc du coup, on arrive direct en jeu. Donc on va aller acheter une compétence jeu vidéo. Voilà, donc là on vient de l'acheter. Et on va tourner notre première vidéo, voilà. Donc on va tourner, donc là on arrive sur l'interface Steam. Alors, il y a quoi comme jeu? Alors, Sapper, Mario, Angry Penguins, Banana Ninja. Bon, d'accord, c'est des jeux un peu connus en fait qui ont été détournés. Ça, je m'en doute que c'est Fox Ninja. Fox Ninja, pardon. Moi, je pense qu'on va acheter celui-là. Il coûte 20$, on a 100$. On va acheter celui-là et on va tourner notre première vidéo dessus. Du coup, voilà. Donc, la vidéo est en train d'être enregistrée. Donc, là, on est en train de tourner. Le montage et la publication. Voilà. Bon, j'aimerais bien que tout se passe aussi rapidement dans la vraie vie. Là, ils ont une co à... ils ont plus que la fibre hein, là pour upload à cette vitesse-là. Je sais pas la longueur de la vidéo, mais c'est assez. Alors, on a un nouveau mail. On va regarder ça tout de suite. Votre équipe a remarqué que tu viens d'upload. Bon, d'accord, c'est le petit mail qu'on a tous quand on a une chaîne pour dire qu'on vient de publier notre première vidéo, tout simplement. Donc 16 vues, on a gagné aucun argent et aucun commentaire. Bon, 16 vues, pas dire que c'est meilleur lancement de chaîne, mais bon. Du coup, est-ce qu'on va dormir? Oui, on va dormir. Donc c'est la fin du jour 1, voilà. C'est le jour. Ok, j'ai rien dit. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la journée 2. Alors. On va retourner une nouvelle vidéo. On va voir si on peut faire un peu plus de vues. Je l'espère, bien sûr. J'ai pas l'impression que ça va être vraiment mieux, hein, franchement. On va essayer aussi d'acheter un vlog, pourquoi pas juste après, parce que là, ça risque. Bon, on a un peu plus de vues quand même. C'est parce que j'ai partagé sur mes murs Facebook et tout. Là, ça a ramené un peu de monde. On va gagner 9 abonnés. On a 13 abonnés. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc on va tout de suite dormir, fin du jour 2, énergie maximale 8, level actuel. Du coup on va tout de suite aller acheter des petits points de vlog. Est-ce que je pourrais acheter un vlog? Non, je peux pas acheter de vlog. D'accord. J'ai pas encore de points de vlog, du coup va falloir que je tourne encore des vidéos. Donc on va tourner Banana Ninja numéro 3. On va voir ce que ça donne. L'intérêt, on sent que les retombées sont pas énormes. L'intérêt de la communauté a baissé et on n'a toujours pas de commentaires. Bon, on a gagné un peu d'abonnés. On a 18 vues. Je pense que là, on va publier tout simplement le dernier épisode. Et puis, on va racheter un autre jeu. Alors, comment ça se passe le dernier épisode? Bon, il y a un peu plus de vues, franchement. Là, bon, il y a eu pas mal d'intérêt. On va arriver à quoi? On va arriver à 25 vues. 20... Ouais, un peu plus 30 vues. Une trentaine de vues.
C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, on va tout simplement commencer une nouvelle série sur cette fois-ci Floppy Bird. Voilà, bon, c'est un peu de l'arnaque 20 euros pour Floppy Bird, mais bon, on va tourner du Floppy Bird. Ça va un peu diversifier, ça va éviter de rester toujours sur le même jeu, d'avoir une image vraiment Banana Ninja. On va avoir un peu l'image Floppy Bird, et d'ailleurs, la communauté apprécie ce geste. Voilà, ça monte. Oh là 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 là, oh là là. C'est le buzz, faut le dire, c'est le buzz. Oh là là, on gagne des abonnés de partout. 72. Ah, j'avais pas vu, j'ai des commentaires. On va aller voir tout de suite les commentaires. Alors, Zerator qui me dit investis dans un meilleur équipement. Il n'y a pas de soucis, Zerator. Et il y a Bob Lennon. D'accord, merci Bob Lennon. Bon, il n'y a pas eu de commentaires sur cette vidéo là. Du coup, je pense qu'on va aller dormir un peu. Parce que j'ai l'impression que quand on tourne trop de vidéos dans la même journée, les gens se détachent un peu et on fait pas tant que ça de vue. Du coup, on va retourner un épisode de Floppy Bird. Ça a bien fonctionné hier, du coup, donc on va retourner un épisode. C'est pas dégueulasse. On va arriver à quoi? 50 vues, c'est pas dégueulasse, franchement. On est bon, on commence à percer là. Est-ce qu'on peut acheter des vlogs? On peut acheter des vlogs. Du coup, on va tourner des petits vlogs. Voilà. Vlog de base, et on va. D'accord, ça veut absolument rien dire. À propos, respectable cookie. Bon, on va faire ça. Ça veut absolument rien dire. Ça va très bien avec l'idée de la chaîne, le style de la chaîne. C'est super bien. C'est magnifique. Ça marche pas du tout. C'est totalement le bad buzz. Hein. On a fait de la grosse merde. Voilà, faut le dire. 10 vues, c'est un peu dégueulasse. Du coup, on va tourner une petite vidéo Floppy Bird pour finir la journée en beauté. Et ensuite, on va aller tout simplement dormir. Voilà. Alors, la publication, qu'est-ce que ça donne? On va faire toujours plus, hein, en même temps, avec un nom comme ça, je vois pas comment ça peut donner envie de cliquer. Propos respectable cookie, voilà, je comprends pas trop. On a gagné un peu d'abonnés. On a tout de même 62 abonnés, hein. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. Du coup, on va se coucher. Voilà, donc on se retrouve un peu. J'ai un peu avancé là. Du coup, j'ai fait un rythme de un let's play par jour et un vlog, pardon. Du coup, on a eu pas mal d'attrait, on est bientôt 100 abonnés. Et donc, du coup, sur le dernier Floppy Bird, on avait 84 vues et un commentaire que je vais regarder maintenant. Je t'aime bien, mais t'as pas dit bonjour. D'accord, c'est sympa, toi. Ça me fait penser à quelque chose. Il a pas dit bonjour! Du coup, il s'est fait niquer on va sa se mère! coucher. Donc, du coup, c'est déjà le jour 6. J'espère qu'on va atteindre les 100 abonnés rapidement. Ça marche bien, hein. Franchement, on a atteint plus de vues et tout. On va passer les 100 abonnés. Par contre, il nous reste que 15 dollars, malheureusement. Ça, c'est pas le Floppy Bird. Ça marche bien, hein. C'est pas dégueu. On arrive à faire quelque chose de bien. 60 vues. Alors, un nouveau mail. Ah, c'est parce qu'on va passer les 100 abonnés, à mon avis. Félicitations, tu viens de franchir le cap magique des 100 abonnés. Les experts ont examiné ta chaîne et tu es accepté pour intégrer le programme de partenariat. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'ils vont ajouter des publicités à mes vidéos. Et tout simplement, tous les soirs, je recevrai une facture et qui me dira combien j'ai gagné. Donc tout simplement, je vais pouvoir augmenter justement les 15 $ et gagner plus que ce que je gagnais avant, quoi. Du coup, ça, c'est plutôt bien. Du coup, on va faire un vlog. Donc j'ai un peu compris pourquoi les noms c'est un peu n'importe quoi, tout simplement parce que dans le patch, même le jeu tout simplement, il récupère à propos un adjectif et un nom en fait, et il mélange, donc c'est tout simplement pour ça que ça veut absolument rien dire. À propos épique patate, paranormal patate, délicieux tonneau. Bah, on va prendre paranormal patate, ça peut être intéressant. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas beaucoup de vues. C'est dégueulasse. Paranormal patate, vous aimez pas les patates? C'est dommage. Ah, je suis déçu. 113 abonnés, merde, j'ai presque plus d'argent là. Je vous propose d'aller se coucher. Voilà, c'est le matin, il fait tout propre, il fait tout beau. On vient de se laver et dès qu'on arrive, on est en tant que bon youtubeur à 113 abos. On arrive directement devant notre ordi et on rec une nouvelle partie, voilà, comme tout bon youtubeur. Et on va tourner notre habituel Flappy Bird du matin, voilà. Donc là, on est déjà à l'épisode 7 déjà, donc ça commence à faire longtemps. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que
L'enthousiasme de la communauté risque un peu de descendre, j'allais dire la population. La communauté risque de descendre, mais là pour l'instant c'est des vidéos qui marchent bien. Hein. Franchement, on arrive à plus de 50 vues à chaque fois. C'est vraiment des vidéos qui fonctionnent bien sur ma chaîne, voilà. Je suis en train de regagner des abonnés. Et du coup, on va refaire un vlog comme tous les jours, voilà. À propos, énorme moquette. N'y voyez pas toujours de messages subliminaux, bien sûr. Hein. On va choisir ce vlog quand même. Ça peut marcher, ça peut marcher. Si Snoop Dogg est avec nous, ça peut marcher. On va tout de suite voir ça. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Oh! Et c'est le vlog qui fonctionne le mieux. Et c'est pas du tout putaclic comme titre, hein. Pas du tout. D'accord. Alors d'accord, c'est même la vidéo qui a le plus marché sur toute ma chaîne. C'est n'importe quoi. Du coup, on va retourner un vlog juste après. On gère. Du coup, on va se coucher et c'est déjà le jour 8. Donc c'est le jour 8, aujourd'hui on se retrouve le matin. Et donc on va regarder un peu parce que j'ai pas trop regardé les commentaires. Alors tout simplement on a gagné notre premier sous-sous avec la vidéo sur la moquette. Elle a vraiment bien fonctionné hein, cette vidéo, c'est incroyable. Et sur le let's play floppy bar, hein, on avait un commentaire. C'est le grand monarque qui nous dit Mac ou PC, d'accord. Et ben je suis sur PC, voilà. Voilà pour toi grand monarque. Du coup... on va tourner le gameplay quotidien. L'intérêt ne descend jamais sur Floppy Bird, c'est incroyable. Du coup, on va continuer encore à tourner. Ça va être de l'intox au bout d'un moment. On est déjà à l'épisode 8 et la communauté ne se décourage apparemment pas. Ils aiment ce contenu. Du coup, on va continuer. Ah ouais, et ça fonctionne plutôt bien. Pour du Floppy Bird, ça fonctionne plutôt bien. On va avoir du 100 vues là. Ça fonctionne plutôt bien, ma foi. Waouh. Par contre, on a 0€. Là, va commencer à falloir faire un emprunt. On vient de gagner un petit sou, mais du coup, on perd pas mal. Ça, c'est un peu dommage. Et c'est le début, le matin du jour 10. Et je viens de débloquer l'option vlog journalier. Voilà, donc on va pouvoir faire un vlog journalier. Alors, comment qu'on peut l'appeler Ça, c'est une belle putaclic, sa mère. On a dit, on va faire des vues avec ça. Alors, comment que ça se passe? Eh bien écoutez, ça intéresse les gens, ça intéresse les gens. On arrive à 51 vues, quand même. Et on va refaire, non, on va faire un petit gameplay, petit floppy bird quotidien, voilà. Tout simplement, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est le buzz, c'est le buzz. Alors là, j'ai... Maman, je suis connu. C'est le buzz. Pratiquement 200 vues, c'est énorme. Et on a un commentaire. Mikalo, je suis déçu. Bah, désolé, Mikalo. Hein. Je peux pas plaire à tout le monde. Hein. C'est le problème quand on commence à devenir riche. D'accord, oui, c'est vrai. C'est des vlogs journaliers. J'avais dit que j'allais me coucher. Et je vais me coucher. C'est la fin du jour 10. Donc, on a moins 10. Ah oui, parce qu'on doit payer notre loyer. Et on a rec 2 games. Et tout simplement, on a gagné 0€. Voilà. C'est triste. Voilà, donc c'est le début du jour 11, tout simplement. Et on va tout de suite refaire le vlog journalier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire beaucoup d'argent? Voilà. Ça me paraît bien comme titre. Hein. Je sais pas, moi, ça me paraît bien. Permet de faire de la thune. Hein. J'ai vu sur internet, ça permettait de faire de la thune. On va faire de la thune avec ça. Hein. Voilà. Ah bah c'est pareil, on se fait aussi de la thune et on arrive bientôt à 200 abonnés. Ouh là 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 là, on commence à peser dans le game. On va faire 70 vues sur une petite vidéo comme ça. Bon, par contre on gagne pas d'argent, c'est faux. C'est faux ce que tu dis Matt. Du coup on va faire un petit gameplay. Floppy Bird, on a déjà l'épisode 10 mais ça passe méga vite, c'est incroyable. Du coup, eh bien écoutez, Floppy Bird, il marche bien, ça marche bien, c'est les valeurs sûres, ça nous fait de l'argent ou pas, mais au moins on a de la vue, on engrange de la vue, on engrange des abonnés, et moi j'aime. Alors, j'ai level ennuyant, Baptiste, j'aime tes cheveux, arrête de faire ça s'il te plaît, les sujets que tu traites sont trop bizarres.
Bah écoute, c'est sympa Pacific Sound. Surtout sympa que tu me dis ça parce que toi sur ta chaîne, c'est vrai que c'est pas du tout chelou. Quand tu manges des fruits et légumes et tout ça, c'est assez courant, on adore. Et non, franchement, je suis content que tu viennes sur ma chaîne, ça me fait plaisir. 200 abos, tu viens de me voir comme ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc tout simplement 262 abonnés, donc ça a bien monté. J'ai sorti plusieurs vlogs journaliers et des jeux. Donc on arrive à 141 vues, je pense que je vais m'arrêter aux 300 abonnés, hein. C'est assez sympa. Bon, j'ai sorti un petit Droll My Life hein, comme tous les abonnés. Il y a Cortex qui me demande plus d'action, plus d'explosion, d'accord. J'ai sorti le petit tuto comment péter une raquette. Simplement, je vais faire encore 3-4 vidéos pour aller aux 300 abonnés. Et je pense qu'on va stopper là. Déjà, c'est déjà pas mal. Du coup, on va tout simplement dormir. Fin du jour 14. Voilà, donc jour 14. Vous voyez qu'on est à moins 54 euros. Oui, ça coûte quand même assez cher. Du coup, on va tout simplement commencer une nouvelle série. On va recommencer du Floppy Bird. Ça va bien fonctionner. Ça coûte quand même assez cher, hein, YouTube. Hein, 54 euros en moins. Ça marche plutôt bien du coup, le Floppy Bird, on revient sur des bonnes bases qu'on avait forgées avant. On revient dessus et ça marche plutôt bien ma foi. Il y a deux commentaires. On arrive à 150 vues. Hein. Bubble, je t'aime, tabaye, bonjour. Bien, 2 sur 20. Je hais l'intro, Antoine Daniel. D'accord, merci Antoine. Du coup, on va faire un vlog. Alors, vous remarquerez l'originalité pour ce titre. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire niveau statistique là-dessus? Eh bien, écoutez, c'est pas fantastique, hein. Du 50 vues sur une vidéo comme ça, c'est pas fantastique, hein. Alors. Mais what? Utilisateur TSCG n'aime pas votre vidéo, moins 77 abonnés. Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Voilà, donc la vidéo est déjà terminée, j'espère en tout cas que ça vous a vraiment plu, moi ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo. Du coup n'hésite pas, si ça t'a plu, à laisser un gros pouce bleu juste en dessous et à mettre plein de commentaires dans l'espace dédié, ça me fait vraiment plaisir et puis si t'as envie de me parler c'est le moyen. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, ça fera vraiment énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine,